Une baguette, s'il vous plaît. Tenez. Je vous dois combien? Un euro. Alors, attendez. Tenez. Merci. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes en direct devant la boulangerie de Savigny. En voilà, t'étais commis cette nuit. Nous avons la boulangère avec nous. Alors, qu'avez-vous vu ou entendu cette nuit? Je n'ai rien entendu. Avez-vous des ennemis qui auraient pu faire cela? Non. C'était le journal de Savigny. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Madame, on ne touche pas. Ah, excusez-moi. Bonjour, je suis la journaliste de Savigny. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je n'ai rien vu. Et aucune alarme s'est déclenchée? Il a réussi à désactiver les alarmes. Avez-vous une idée de qui ça peut être? Je pense à Ambre. Elle a été relâchée. Ah oui, elle a commis plusieurs vols à Savigny. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. C'est la journaliste de Savigny. Plusieurs vols ont été commis durant ces deux derniers jours. Pouvez-vous enquêter? Oui, je peux, si vous voulez. Pouvez-vous aller interroger la gardienne du musée? Elle n'a pas voulu me montrer les images de surveillance. Oui, d'accord, je m'en charge. Au revoir. Bonjour, je suis l'enquêtrice qui vient constater le vol de cette nuit. Oui, bonjour. Pouvez-vous me montrer les images des caméras de surveillance? Bien sûr, suivez-moi. Vous à ce moment-là? J'étais dans la salle cinéma fantastique. D'accord. Tiens, je l'ai trouvé.
Merci pour les informations et la visite guidée. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Alors, au nom de Vincent. Elina, c'est ça? Oui. Voilà. Au revoir, merci. Au revoir. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réservé le livre de la Rose Unique? D'accord. Attendez 2 minutes, je vais vous le chercher. Allô, vous êtes toujours là? Désolée, je ne le trouve pas. Pourtant, hier, je l'avais bien rangé dans la réserve. Bon, je vous recontacte quand je l'aurai trouvé. Au revoir. Merci, au revoir, de rien. Bonjour chers téléspectateurs, plusieurs vols ont été commis à Savigny. Nous avons un suspect, Ambre, qui a été relâché depuis ces derniers temps pour vol à Savigny. Une enquête est en cours.
Nous vous conseillons d'activer les caméras et de faire très attention. C'était le journal de Savigny. Bonjour, je travaille à la bibliothèque. Je viens de voir le JT des différents vols sur Savigny. Je n'arrive pas à remettre la main sur mon livre de la Rose Unique. Celle-là même qui a été volée hier soir au musée. Je suis sûre de l'avoir remis dans la réserve. C'est un livre rare, tiré d'un peu d'exemplaires, qui explique les différents pouvoirs de la rose. Vous avez constaté quand exactement la disparition ? Il y a 5 minutes, une cliente l'avait réservé pour pouvoir le consulter. Ce livre ne doit pas sortir de la bibliothèque, il se consulte sur place. Quand je suis allée vérifier dans la réserve pour le mettre de côté, j'ai constaté que le livre n'était plus à sa place. D'accord, je vois. Vous êtes sûre de ne pas l'avoir rangé autre part ? Non, non, j'ai regardé de partout, je vous assure. D'accord. Je note et je vous tiendrai au courant. Merci de m'avoir prévenu. Est-ce que je peux aller vérifier l'endroit où a disparu le livre? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. De rien. Bon, que puis-je faire pour vous maintenant? Je ne suis pas là ce soir, je suis en répétition pour la comédie musicale de La Belle et la Bête. Ah oui, cette Belle et la Bête, elle est partout dans notre village. Oui, oui, c'est le thème de l'année. Bon, je dois garder vos bijoux dans la chambre, n'est-ce pas? Oui, oui. Où est la chambre? Là-haut. Merci, au revoir. Je dois y aller. Merci, au revoir. À tout à l'heure. Une rose, un livre, des bijoux, tout en rapport avec le thème de La Belle et la Bête. Est-ce une femme qui dérobe tous ces objets? Est-ce que cette rose a un réel pouvoir magique? Tout cela est bien étrange. Et quel est le lien avec la boulangerie? Cela n'a rien à voir avec le reste. Je n'ai rien trouvé. Comme on dit, pas une trace. Ce voleur a réussi à déjouer les systèmes de sécurité. C'est une personne qui connaît bien les lieux et qui a l'habitude de travailler avec des outils technologiques.
Repassons tous les détails. Je retire la boulangerie. Parce que je ne vois pas le rapport. La rose a été volée, mais pas la robe. Une femme aurait volé l'ensemble des éléments de la salle consacrée à ce thème. Le livre révèle des secrets sur l'utilisation de cette rose et ses pouvoirs. Donc le voleur peut utiliser les pouvoirs de cette rose, mais pourquoi faire? Je devrais peut-être appeler la journaliste. Elle a peut-être trouvé des indices depuis notre dernier appel. Tourne, c'est moi la voleuse, ok? Ouais, on a compris que tu vois. C'est vrai, quoi? Ah, tu filmes? Ah, mais on est dans La Belle et la Bête! Ah, mais ok! Alors, tu dois danser comme La Belle et la Bête! Scène 6. Ah, je sais plus. Prise 2. Silence, ça tourne. Oui, allô, bonjour. Plusieurs vols ont été commis sur... Ah non, j'ai pas dit qui je suis. Scène 8, plan 1, prise 1. Bonjour, chers téléspectateurs. J'ai pas dit silence, ça tourne. Elle était pas encore partie de... Non. Scène 8. Mince. Scène 8, plan 1, prise 1. Prise 2. L'appel. Donc, scène 10, plan 1, très bien. La bibliothécaire. Allô? Voilà. Mince. Ça tourne. Bonjour.
T'as coupé. Faut que tu beaucoup plus important. Ouais. Hein. Sinon, on voit, on la voit, on voit pas. En route. Voiture, elle passe. Ok, 1, 2, 3. Scène 2, plan 2, prise 3. Bonjour. 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 Mais après, il n'y aura plus de trucs, on a encore besoin de... Ok, je vais aller vous... Bonjour. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va tourner la caméra. On va voir si je vois. Là. Ouais, j'arrive à lire. Attends. Si t'arrives... Non, dans l'autre dans papier, je vais mettre entre le truc et là. Là, c'est l'autre côté. Par contre, on va y entendre si ça bouge. Ah là, c'est bon, j'arrive à voir. C'est le bidouillage là. Oui. Alors, par contre, j'ai rajouté un peu de lumière. C'est là où le papier il tombe et on entend tout le bruit. Et là, brum.